Il n'y a pas la caméra. Dommage. Est-ce qu'on m'entend, les amis? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? On m'entend très bien. Donc, reprise de l'émission, les amis, dans un petit live de 2 heures sur Monster Hunter Rise. Du coup, voilà. On m'entend pas très bien. Non, c'est pas grave. Allez, les amis, c'est parti, les amis. J'ai juste. Hop. Donc voilà, est-ce qu'on m'entend? Donc voilà. Nickel, on m'entend très bien. Les amis, c'est parti. J'ouvre Monster Hunter Rise, bien évidemment. On va jouer à la manette. Hop. Attends. J'ai juste un truc. Alors. Hop, joue Monster Hunter Rise, les amis. Tranquillement. Putain, j'ai pas la caméra, je suis deg. Bon, après, je peux jouer sur la caméra, c'est sûr. Du coup, où elle est? Allez, le jeu se lance, les amis. Donc, petite session de 2 heures, tranquillement sur Monster Hunter Rise, dont le thé de la VD en dessous de l'écran. Juste mettre ma caméra. Plus un affinité, bien évidemment. C'est l'homme qu'il m'aimait. Hop. Nickel. J'ai un message. Oh, je suis parti comme un voleur parce que j'avais de la visite, les amis, je suis totalement navré. Mais on enchaîne avec du Monster Hunter, et oui, comme ça, c'est sûr et certain, on fera une vidéo dessus. Oui, comme ça, c'est sûr et certain. Allez. Nickel. Donc, Monster Hunter, j'ai détruit le boss. Un annonçon. Du coup, voilà. Voilà. Alors, ce qu'on va faire. Je
Allez, c'est parti, les amis. Monster Hunter Rise. Hop. Continuez. Continuez un peu l'histoire. Ah, Kefko 5K, déjà de retour, tu n'as fait qu'une bouchée de l'Alconson, bravo. Ça nous fait un souci en moins, mais bon, les villageois pensent qu'il y a des esprits au temple oublié. Je m'en occupe pour le moment, mais j'aurai peut-être besoin de toi plus tard. Pour le moment, va voir Inoa, tu as débloqué les quêtes 3 étoiles en éliminant l'Alconson. Tu verras la fierté du Kamura, contenu comme ça, Blanbec. Oh, salut Kefko 5K, tes pipes poils de loi des loris sont sans essai grâce à toi. Maître Amon est soulagé lui aussi. Si seulement tu avais vu son sourire quand il a appris la nouvelle. En parlant de bonnes nouvelles, tu as déverrouillé les quêtes 3 étoiles. Tu as également accès à de nouvelles zones, des préparatoires en conséquence. Alors, pris au trip. Pris au trip. Enfin, ça. Alors, c'est quoi la mission là? Peut-être une nouvelle zone, on sait pas. Les amis, je reviens, je vais boire un coup. Revoilou. Revoilou. Tétradon. Alors c'est lequel? C'est lequel? Il y en a deux. Thank you.
Voilà. Nickel. Roku pack spécial de extension téléchargée fermé. Alors quête de détruire terminée 3-4 restantes. Marcher sur des œufs. Ok. Pleine de sable. Well done. On continue un peu l'histoire de mon sur Internet. Ce que je vous ai promis après le casino, quand j'ai pas fait parce que j'ai eu de la visite sur Rust, j'ai eu des visites avec mes amis. Il y a des soucis sur le jeu, du coup, bah, il a profité pour venir. Sont belles les maps quand même. Thank you.
Voilà. Là on voit pas les amis, j'ai pas mis de caméra là. Je suis désolé pour moi, pour vous. Kefko 5-4, un rapport urgent est arrivé, le cas limité se rapproche du temple oublié. Tous ceux qui peuvent manier une arme n'ont m'a aidé à protéger la zone qui entoure la forteresse. On n'arrivera pas à tous les repousser, il va falloir que tu t'occupes de ceux qui arrivent à passer. On ne le fait pas pour sauver notre peau, mais pour l'avenir de Kamura, compris? Entreprends les quêtes urgentes de Inoue et repousse la calamité pour protéger ses avenirs. Allez, Kefko 5-4, montre-nous à ces affreux que ce Kamura a dans le ventre. Haha. Elle est là, ça y est, il faut stopper la calamité, c'est une quête urgente. Je vais me joindre aux débrousseurs, j'espère que tu ne seras pas jaloux si je suis meilleur que toi. Tu le sens d'attaque? Alors, les quêtes calamité impliquent de défendre Kamura face aux monstres. Vous devez repousser les monstres en utilisant principalement des machines de chasse pour défendre la forteresse. Tenez-moi jusqu'à ce que la dernière vague soit repoussée ou la menace vaincue afin de compléter l'objectif principal. La calamité approche. Autant pour oublier, c'est ça? C'est bien. Forteresse rouge. Je commençais à me demander quand j'allais arriver, l'artiste. C'est l'heure de faire face à la calamité. Fille, l'ancien a dit que tu dois repousser tout le monde qui arrive à l'entrée dans la forteresse. Vu que c'est ta première calamité, il y a un paquet de trucs que tu dois pas savoir, mais je vais t'expliquer, t'inquiète. Cette zone a la même fonction que les campements sur le terrain. Si tu prends une raclée, tu finiras de retour ici, mais tant que la forteresse tient debout, tu pourras recommencer. Tu peux changer tes équipements, tes armes et organiser tes objets ici. Si tu veux les débarrasser de ton set actuel, tu peux changer d'équipement à l'intérieur. La forteresse se trouve juste après cette sortie. Oui, pour les calamités plus dangereuses, tu devrais défendre une plus grosse partie de la forteresse et il y aura donc plus de sorties. Bon, je vais aller à la forteresse, retrouve-moi là-bas quand tu auras ça après. Alors, la calamité, les quêtes calamités impliquent de défendre Kamura face aux monstres. Vous devez repousser les monstres en utilisant principalement des machines de chasse. Enfin, Horde en approche, menace. C'est parti. T'es prêt, l'artiste? Bienvenue à la forteresse. Les villageois ont construit cet endroit pour nous protéger de la calamité. Les vagues de monstres qui nous attaquent durant la calamité qu'on appelle des ordres viendront de là. Les hordes essaieront d'anéantir la forteresse en détruisant les points qui empêchent les monstres d'atteindre Kamura. C'est justement pour protéger ces portes et empêcher les monstres d'atteindre Kamura que nous sommes là. Nous repoussons les monstres en utilisant du matériel créé rien que pour ça, des machines de chasse. On dirait bien que nous avons assez de temps pour les préparatifs, viens, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Les groupes de monstres attaquent durant la calamité sont des hordes, comprennent ces monstres inférieurs et une menace à sa tête. Une horde prend la fin quand le temps est écoulé ou si tous les monstres sont repoussés. Il peut y avoir jusqu'à 3 hordes. L'amour est indiqué par les modifications dans le menu du jeu et dans les têtes de la quête.
Au bout de chaque zone se trouve une porte, semblant bloquer l'accès vers la prochaine zone. Elle se fragilise ou fait des attaques subies jusqu'à sa destruction. Si la porte de la zone finale est détruite, la quête échoue. L'état de la forteresse et des portes est indiqué par des icônes sur les mini-cartes. Alors. D'abord, commençons par installer une baliste. C'est une de mes nombreuses machines de chasse. Sélectionne une baliste à utiliser sur cette plateforme d'installation et les défenseurs en dessous l'installeront. Et tu verras. Les machines de chasse peuvent être installées sur les plateformes d'installation. Approchez-vous et appuyez sur B pour faire votre choix. Si une machine est détruite par des monstres, vous devez attendre un certain temps avant de pouvoir utiliser à nouveau la plateforme concernée. Dans la calamité, vous pouvez installer des machines sur des plateformes pour installer ses défenses. Appuyez sur B, près d'une plateforme, choisissez une carte machine. Flèche, choisissez une carte. LB ou RB, choisissez toutes deux cartes. A, une machine. B, interdit, près d'une machine. Retirez. Le nombre de machines pouvant être installées est limité par zone. Il est possible d'en installer plus, mais les nouvelles remplacent celles qui ne sont pas utilisées. Marque maintenant. B, puis une machine pour le tirer. Placer une baliste. Installer baliste Kemura. Ok. Placer une baliste bambou. Allez, putain, monte. Mais ils m'en bouffent, en fait. Les préparations. Les machines de chasse ont été créées à Kamura pour combattre la calamité. Manuel, ici, en montant dessus. Automatique s'active dans un certain cas,
limité, nombre d'installations limité. La machine de chasse lourde appelée Dragorator et Frax Ivorien sont placées dans chaque zone. Cette machine sont déverrouillées selon le niveau de votre forteresse. Vous trouverez des détails sur chaque machine dans la note de chasse du menu du jeu. Okay. Il y a 3 ordres, hein, c'est ça? Monter sur la baliste. Pas lui. Faire un tir de retraite. Effectuer une garde. C'est compliqué. Hein. Ok. Première horde, je crois. Repousser le tracker. Nickel. Repousser le... Repousser le casseur de porte. Améliorer le niveau de la forteresse débloque de nouvelles machines. Vous défendrez contre la calamité des façons suivantes. Vous accorderez des points d'expérience pour la forteresse. Vaincre des monstres, terminer des missions bonus, affliger des affections fléaux. Repousser les monstres.
Les hordes sont toujours menées par un monstre de type menace. Les menaces sont plus imposantes et puissantes que les monstres normaux, mais les vaincre rapportent beaucoup de points d'expérience pour la forteresse. Cela ne compte pas pour la menace menant la dernière horde. Ceci, le de riposte est déployé, le nombre des chasseurs sont accrus, augmenter grandement leur attaque. La cible sont activés grâce à un gang de riposte durant la calamité. Les effets d'un signe de riposte dépendent du niveau de la forteresse. Horde en approche. Parle à ce kilomètre. Où est-ce qu'elle est? Yo l'artiste, tu te rappelles quand le niveau de la forteresse a augmenté la dernière fois? Plus le niveau de la forteresse augmente, plus tu pourras utiliser des machines puissantes comme le Dragonator. Si tu veux augmenter le niveau de la forteresse, repousse des monstres et détruis des affections. Appuie sur B près de ce levier pour préparer le Dragonator et appuie sur, à nouveau sur B pour l'enclencher. Une fois enclenché, une énorme lance sera projetée. Attends que les monstres soient juste devant pour causer un max de dégâts. Le Dragonator est une arme ultra cool, mais ça prend du temps à recharger. Si tu veux pas attendre, tu peux toujours utiliser un générateur pour accélérer les choses. Il peut aussi servir à accélérer les réparations des machines détruites et essayer de garder un arsenal en bon état. Parfois, un brave guerrier de Kamura vient de redonner une raclée au monstre durant la calamité. On dirait que cette fois, c'est Fugen l'ancien qui est venu appeler le depuis la plateforme d'installation. Et mettre un B sur les machines de chasse pour les démolir, démonter. Le renfort de Kamura est une puissante machine servant à faire venir vos camarades en renfort à la forteresse. Ses effets varient selon la joie, certains attaquent les monstres, tandis que d'autres peuvent renforcer d'autres machines. Le renfort de Kamura ne peut servir qu'une seule fois par quête. Utilisez-le au bon moment.
Les cartes machines servant à installer un renfort de caméras seront disponibles au début ou durant un assaut de l'Horde. Appeler Fugger sur appuyer. Ok. Il y a trois hordes, hein. On a la deuxième horde. Deuxième horde. Il y en a deux, trois. Un bleu. Alors. Je sais pas où il est. Sie sind trostlos!
nickel. C'est pas un le grand Yugi. Les 20 secondes au village. Ça c'est du gros les amis, ça c'est du gros monstre. De la tarte. Le mania malo. Et oui.
Alors, rang, compétition, calamité, complété, ok, on va tout compléter. Il y a eu beaucoup de loot sur cette mission, mais bon. Bon, bravo Kevokas 4, grâce à toi, Kamura s'en sort sans trop de dégâts. Mais ça risque de se corser maintenant qu'on a le Magna Mondo sur les bras. Comme je t'ai dit à la forteresse, ce monstre s'est manifesté pendant la calamité il y a 50 ans. Le vieux Hanson a fait payer ça à un enseignant de protéger le village et aujourd'hui, ce monstre pote encore sa gueule. Kefko s'inquiète, la sécurité de Kamuro est entre tes mains. Élimine ce monstre une bonne fois pour toutes. Ce sera toujours pas. On ne sait toujours pas ce qui secoue cette satanée calamité, mais tu seras le premier au courant si on trouve. Et oui. Oh, Kefko 5K, tu viens en avoir du pas sur la planche entre la Magna Malo et la Calamité. Mais le village de Kenora est uni, alors on arrivera après la pluie via le beau temps. Pour l'instant, on ne sait pas où est le Magna Malo, alors prudence. Il y a encore quelques quêtes à troisième sur la liste, pourquoi pas t'en occuper en attendant. La Calamité change à chaque quête et entreprise, même les quêtes de base. Les récompenses liées à la Calamité varient sur la difficulté indiquée sur la panneau des quêtes et ses éléments seront remontés. Je sais votre quête selon votre niveau et les matières desserrées. En mode multijoueur, les quêtes pouvant être acceptées au comptoir des quêtes varient selon le joueur. Cependant, les joueurs peuvent rejoindre les quêtes Calamité acceptées par un autre joueur tant que les conditions requises pour les rejoindre sont remplies. On va faire se salir les mains. Le barotte. Début de la quéquette. Alors, carnet. Si le terrain, vous pouvez trouver des archives antiques qui contiennent des messages anciens. Ces écrits renferment des informations concernant l'histoire de la région et peuvent être consultés dans votre carnet après depuis le compendium. Kagera, le Kagero, le marchand, semble lui aussi intéressé par ces messages. Allez le voir si vous trouvez. C'est pas lui. Il est un peu plus loin. Il est un peu plus loin.
Je tourne en arrière. C'est mieux. Faut que tu trouves le boss là. Le garotte. Farotte. Mais je vais loin, hein, je sais pas où je vais. Allez. Le barotte. Faire, il faut sauver le pleutre. Il faut sauver le pleutre. La forêt inondée. Ah ouais, nouvelle zone, les amis. Oh.
On a une heure de live, encore une heure les amis, après on va stresser cela. Ça sera la session qu'on n'a pas fait tout à l'heure là. Que je vous ai promis. Il y a du venin. Oh putain. C'est quoi celui-là? Le grand Rogi. Notre nouvelle zone. Que c'est celui-là, ça a l'air pas d'être celui-là. What? Oh, j'ai perdu l'arche de la vie là. Oui, c'est du venin. Il a, c'est lui. C'est lui. Non, je sais pas, je pense pas que ce soit lui. Hein. C'est pas lui, mais je crois même. Connard. Putain. Bon, c'est pas lui. Où est-ce qu'il est? Je le trouve pas. Bon vu, hein. Bon vu. Mais c'est pas lui. Il doit pas être loin, à mon avis.
Plus. Il est là, c'est celui-là? C'est lui? Je l'enchaîne, hein. Voilà. Nickel Chrome, le grand Waggy. Kefko 5-4 devrait aller voir Amon, il voudrait tenir un mot. Kamura ne se résume pas à de l'acier et des chasseurs de monstres. Lori a du mal à comprendre ce que ça veut dire, mais je crois qu'Amon essaie de l'aider à sa façon. Le vieux Anon était aussi froid que l'acier, Tatara, mais il a s'adouci sur ses vieux jours, je suppose. Ne le fais pas attendre. Ah, tu es là. Tu as déjà entendu parler du Bishlenter, un monstre un peu invisible, beaucoup asserré à la queue épaisse. Il attaque tous ceux qui visitent le temple oublié. Une quête urgente a été posée pour que tu ailles les chasser. Qu'est-ce que tu attends pour t'en charger? Pff, il te faut une raison pour que tu te bouges, c'est ça, très bien. À l'heure actuelle, tu es une honte. Kamura n'a pas la force ou les moyens d'affronter le Mania Malo et la Calamité. Ils se renforcent et se nourrissent de la horde. Si tu essaies de le tuer, il suffira de se nourrir plus pour guérir. Ce qu'on doit faire, c'est la séparer de la horde. Je travaille en ce moment sur un moyen d'y arriver. J'ai besoin de matériaux provenant du Bishaten pour terminer ma création et ça tombe bien, je l'ai aperçu au temple. La fabrication est elle-même, laisse tomber, il n'y a pas beaucoup de temps à perdre. On en parlera plus tard quand tu auras fini avec ça. Occupe-toi d'abord de chasser le Bishaten. Kefko 5-4, une quête urgente vient d'arriver. Ta cible est un Bishaten, c'est un gros monstre avec une grosse queue qui aime les singeries. Prends garde à sa queue pour la plupart de ses attaques, d'accord? Allons, c'est parti. Chanteur. C'est ça? Je pense qu'il mange de ça pour mettre de sa vie. Mettre sa vie. Oh. Il se souhaite d'un assassin. Le Bishaten.
Allez, c'est parti, les amis. Il m'a empoisonné. Il a terre, j'en profite pour le tuer. Il est pas encore mort. Voilà. Un giganonas, un fruit énorme qui ressort à la vie supprimée après la quête car il périme. Ok. Pas de soucis, les amis. Il y a plein de trucs à faire. Bah, dis donc. Fruits poison. Ouais. Pas mal de choses hein, dans l'inventaire. Hop. Kefko 5-4, tu as guéri cette quête urgente d'une main de maître. Chasseur seulement t'a permis à ce bon vieux Amon de terminer son machin truc. Quand tu as un moment. Ne t'en fais pas déjà, j'ai une autre bonne nouvelle. Il y a désormais des 4 niveau 4 pour toi, ça va être chaud. Autre chose, le Magna Malo et la Calamité sont tout prêts. Tu fais du bon travail, donc continue de t'avancer. Beau travail, maître Harmon et Fugen, l'ancien, sont survêtants en ce moment, tu as remarqué. Ma sœur est au grand camp, elle m'a dit que maître Ojo est aussi de super bonne humeur, il en saute de joie. Tous trois étaient de fameux chasseurs jadis, maintenant ils viennent un peu par procuration à travers toi. Je me demande si tu te souviens des 4 étoiles, ça finira par revenir en te voyant bien, en te voyant faire. Ça signifie que des monstres plus puissants t'attendent, mais tu t'en sortiras, je ne fais pas de soucis. On joue en mode tranquille, les amis. En mode tranquille, peinard. Pour avancer plus dans l'histoire. Pas chier, vous savez. Je me fais pas chier. C'est quoi ce film ?
le Ludrot Royal. C'est ça? Je suis dans le truc. Je suis dans ma maison. Dans ma maison. Il m'a mangé. J'ai compris 5 étoiles, j'ai eu peur. J'ai expliqué que t'as une étoile. Il reste l'ennemi sans visage et région cactus. Le Kizu. Où est-ce qu'il peut bien... Ah, il est tout là-haut. Enfer. Faire sous le tour comme ça. Et des mammouths hein, dans le jeu. Hein. Je vous dis en passant. Juste.
La carte est vraiment prodigue. Tout là-bas, tout en haut de la map, le petit monstre, le petit Kézu là. Il peut tout. Ouf, ce qui peut bien être. Bouge, il bouge vite. Bouge, putain. Nickel.
10 secondes pour tourner au village. Nickel. Boum. Oh, cactus de main. Il faut récupérer des cactus là. Cactus nain. Cactus, j'ai pas eu son. Je sais pas où sont les cactus. Cactus. Bon, tant pis. Je vais autre part. Je trouve pas le cactus là. Je vais là-bas avec le chemin. La mini-carte. Ok.
Et j'ai deux. Y'a rien ici. Y'a rien du tout. Et non, qu'est-ce que tu fais? Putain, connard! Franchement. Attends, on les voit pas les cactus. J'en ai 2 sur 10. Il est là. Non, arrête de faire ça. C'est vraiment le désert. Donc oui. Pour un.
30 minutes, il reste. Là. Allez, la récolte et la chasse. Donc, 20 secondes au village. Carcasse. Comme dans Rust, les carcasses. Des ferrailles. Narcolepsie, parti. Une quête de zut, on va faire. Le grand baggy. Go. Je sais pas où il est. Il doit être pas loin là. Ça peut être loin. Il doit être là. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui, donc il est là-haut. C'est lui. Du grand Baggy là-haut. Baggy le Kum, comme dans One Piece. Vous connaissez One Piece?
C'est lui, grand paquet. Déstabiliser la terre. Voilà, quête des étoiles. Quête des étoiles, c'est ça. Et on va s'arrêter pour aujourd'hui, les amis, pour cette petite session de 1h43. Donc voilà. Il est 22h, donc c'est cool. Attends. On retourne au village. C'est cool. Eh oui, bonne session de Monster Hunter Rise tranquillement, voilà, donc on reprendra demain les amis, on jouera à du Persona 5 et du Lego Star Wars Skywalker pour le 15% live partie 1. J'ai dû goûter pour ma caméra, elle s'active plus, je crois. Ça fait comme une fois qu'on a fait la première fois. Première émission avec Mary, la prototype, la Discord Story, ça fait la même chose. Allez, on va s'arrêter là tranquillement. N'oubliez pas de laisser le commentaire sur Facebook, YouTube et Twitch. On se retrouve demain dès 15h pour la suite des jeux. Portez-vous bien. Les deux VOD qu'on a fait aujourd'hui, ça sera en replay sur YouTube après-demain. Du coup, soyez là, les amis. Portez-vous bien. À demain, 15h. Bonne nuit à tous et dormez bien. À demain. À tout le monde. Salut.